à l'ombre, voilà, dans la zone chill out. 255 éléments hier. D'avoir passé 15 jours à écouter le disque en fait dans ma tente de camping avec un espèce de laser disque. Cool girl, was my bed last night, I love was my pillow too. Cool girl, was my bed last night, love was my pillow too. Dark in blue, your feet is just a big fuzzy shoes. Samedi, jour 2, deuxième soir, ça commence à rentrer, les concerts ont commencé il n'y a pas longtemps, le soleil décline, la chaleur se fait moins intense et les gens commencent à être contents qu'il fasse un peu moins chaud. Bonsoir, comment ça se passe le Reggae Senska pour ça vous? Ça se passe super, hein. Vous arrivez premier jour? Ouais, vous jour, arrivez ouais. D'où? Pas loin, bon, Bordeaux. D'accord, les Bordelais en place. Et bon festival. Bonsoir, premier jour. Non. Comment ça se passe? C'est quoi la sensation? Mais j'aime pas le reggae, moi. Ah, alors bon courage. Donc voilà, un petit peu la queue pour rentrer en ce deuxième jour, samedi. Et là, c'est la sortie. Donc, on sort de la zone concert pour rentrer à l'intérieur de la zone chill. Chill, où vous pouvez voir au fond la tente de l'entrée à l'intérieur du camping. Et là, maintenant, on va aller voir un petit peu tout le monde pour savoir ce qu'ils en pensent de ce deuxième jour. Et comment ça se passe ici au Reggae Senska. Bonsoir. Pour Radio Bastide, qu'est-ce que vous avez à dire? Radio Bastide. Radio Bastide à Sainte-Foy-la-Grande. Ah ouais, Sainte-Foy-la-Grande, pardon. Comment ça se passe le festival ouais, pour vous? Quand on vient d'arriver. Et on démarre. Ah, vous allez voir qui? C'est son dernier. Comment ça s'appelle? J'allais dire petit. Petite portion, non, demi-portion. Demi-portion, d'accord. Vous attendez le hip-hop? Ouais, voilà. Et c'est ça, bien sûr. C'est ça, plutôt ça, ouais. Génial, et bien bon festival. Merci beaucoup. Et big up sur la chaîne YouTube, Kika. Ok. Bonsoir. 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 Comment ça se passe? Ça va et toi? Premier jour, deuxième jour? Premier. On va voir qui? On est plus Vous allez voir qui? On verra. On verra. Alors bon festival. Merci. Et donc on marche. Comme vous le voyez là, les tapis pour les caddies, les fauteuils roulants et tous ces gens, tous ces jeunes gens qui rentrent de course. Bonsoir. 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 Le point haut qu'on a l'habitude de passer maintenant aux heures les plus chaudes, il est complet. Le soir, c'est un peu plus dégagé. Voilà. Bon festival. Eh oui, l'eau, au moins, ça fait pas rouiller. Et on se dirige vers la sortie, les parkings, les voitures et tout le monde qui arrive. Jour 2. Le point haut est toujours plein. Au moins, ici, à côté du point info, il y a du succès. Et on a les chariots, voilà, pour recharger.
faire le plein dans la zone chill out. Donc là, on arrive à l'entrée du festival PC Sécurité, la sortie, bien sûr, et la sécurité. Voilà, donc on sort par là et on ne rentre pas par là, on sort par là. Voilà. Et on dit bonjour aux bénévoles de la sécurité, deuxième jour de Reggae Senska. Ça se passe bien les filles? Très bien. Le sentiment général? La sécurité, pas de problème. Aucun souci. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Génial. Merci les filles. Le soleil décline. Le soleil décline et voilà un gros plan sur le parking immense. Vous pouvez imaginer, on attendait 17 000 personnes par jour et certains chill entre les voitures. Bonsoir à vous. Bon festival. Alors, certaines voitures sont taguées, hein, comme vous pouvez le voir, il y en a qui s'amusent. C'est sale et heureusement qu'il ne pleut pas parce que sinon on serait dans une gadoue, je vous imagine pas comme... comment. Alors on cherche Titine parce que normalement Titine était là, mais Titine a disparu. Et ouais, Titine est là. Bonjour Titine. Samedi soir, soleil couchant, on va arriver devant l'entrée du camping. Là, il y a un petit peu moins de monde, on va pouvoir vous montrer comment ça se passe. Donc, une file pour les filles, une file pour les garçons. Voilà, ça c'est la politique. À Verteuil, c'est plus rapide et c'est plus sécurisé. Alors, on va poser la question aux filles. Dans la queue des filles... Bonsoir les filles. Ah bah oui, c'est ma mère, pardon. Dans la queue des filles, on est en pleine explication. Donc, on explique qu'il y a une femme pour contrôler les femmes. Et donc, c'est la queue. Il y a un garçon qui s'est incrusté. On verra bien s'il passe. Je pense que je vais passer. Je pense. Ou pas, ou pas. Voilà. On vous dira ça tout à l'heure. Ça passe, ça passe. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes entrés dans le camping. Bonsoir. Allez, on va venir vous voir. C'est Radio Bastide qui rend visite à... quelle région? Saint-Médard. Ah, des Bordelais, ah, bah, vous êtes à côté. Et retenez l'Audi, l'Audi. Bah, pas trop dépaysé alors. Ouais. Vous restez là jusqu'à lundi? Ouais. Allez, bon festival à tous alors. Merci. Votre ressenti, c'est quoi? C'est trop bien. Génial, parfait, merci beaucoup. On continue. Bonsoir à la sécurité. Hein. Comme vous pouvez le voir, la sécurité est présente sur l'espace camping. Il y a de l'ambiance. Big up! Big up! Donc, c'est l'heure de l'apéro. Et donc, on va aller jusqu'au camp. Parce que le camping est immense. Merci au Reggae Senska pour la logistique de cette année. Parce que c'est vraiment très très bien fait. Toujours le soleil qui décline en ligne de mire. Et les tentes partout. Tout le monde se prépare pour les concerts qui arrivent. En cours, les Dirty South Crew. Et prochainement, comme vous avez pu l'entendre précédemment, Demi Portion, qui est très très attendu. On va aller se diriger maintenant vers un groupe de l'extrême gauche. Vous voyez le drapeau breton juste là-bas. On va aller... Bonsoir les garçons. Bonsoir jeune fille, je vous avais pas vu. Alors pour Radio Bastide, votre sensation en ce jour 2 de festival Reggae Senska? Magnifique. Magnifique, c'est votre mot, et vous? Ça fait ça bien. Qui est-ce que vous allez avoir Jimmy au top. Ce soir? Ce soir, Jimmy au top. Hier, Jimmy au top. Demi-portion. Très attendu, demi-portion. Hein.
Chinese man. Chinese man. Très bien. Bon, bah écoutez, à plus tard alors. Bon festival, bonne soirée. Alors là, donc, on traverse et on a des petits jeunes qui cherchent des stages en radio. Kenavo la Bretagne ! On passe chez les voisins et on demande aux voisins quelle est votre sensation en ce jour 2 de Festival Reggae Senska ici à Verteuil. Elle est mieux qu'hier hein, déjà. Si je peux pousser mon coup de gueule. Vas-y, je t'en prie. C'est sur la chaîne YouTube Le Monde de Kika. Et qu'est-ce que vous avez à dire alors? Franchement hier, j'avoue, on a galéré à la gare, les histoires de navettes. D'accord. Mettre des navettes supplémentaires. Voilà. D'accord. Au niveau du tri sélectif, au niveau de ceux qui ramassent les mégots par terre, vous en pensez quoi? Nous, on essaye d'avoir des sandwichs. Mais je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de choses. Parce que c'est compliqué déjà, le fait de mettre à la poubelle, on met à la poubelle. Et est-ce que vous utilisez les cendriers qui sont mis à disposition au point info? On les a pas vus, mais on en a. D'accord, génial, et bien c'est parfait, vous êtes éco-citoyen, merci beaucoup, et bon festival. Vous attendez qui ce soir? Bah, ce soir, on va voir après Standard. Ouais, carrément. Hier, enfin, c'était ça vous a plu? On est arrivé pour Soja et Melo Mood, quoi. Ouais, les meilleurs. Ah oui, les meilleurs. Eh bien écoutez, c'est génial, merci beaucoup. Big up. On arrive au clan. On arrive au clan de tout le monde. Voilà, on arrive à la maison. Et donc, on arrive à la maison. Alors, attends. Attention, il y a des trucs illicites sur le Reggae Senska. Comme si c'était une nouvelle. Et donc, voilà la maison. Nous sommes arrivés. Et le drapeau breton, il est là. En direct de l'espace Chill Out, VIP presse du Reggae Senska ce soir. On découvre Touré Kunda, présenté par Soulbeat Records, clin d'œil à Fred Lachaise. Et on a le CD à vous faire découvrir à la rentrée dans l'émission Kikaliente sur Radio Bastille. Touré Kunda au Reggae Senska avec Soulbeat Records. On bosse à l'espace presse, voilà. On bosse jour 2, Reggae Senska avec l'équipe de la grosse radio. Ça va. Ma seule richesse ce soir, depuis que je fais de la musique, c'est de rassembler le temps pour le monde. Merci beaucoup. On voit les mots, nouvelles démons pour épauler punchline 2. Première mesure, joli voyage, toujours en direction 2. Au sens propre, mon vieux l'envie de soigner chaque titre. Mieux vaut rester muet comme un Charlie Chaplin. Toujours hip-hop, normal, on suit notre propre wagon. J'étais soudé quand il arrive, on joue notre escadron. Trop de risques à prendre, trop de disques à vaincre. Comme la Franky Family, on cherche plus un contrat. On arrive sur demi-portion. Industrie, clash royale, un grand niveau de Pac-Man. Je m'adapte, on pleure. On a oublié un filon de platine accroché à mes 6 hommes sains. Je te connais pas et je t'aimerais comme un ami d'enfance. On dit que la colère frappe, que l'amour tabasse. Je l'ai ambitieux de 7, j'ai pris mon parnasse. Ainsi qu'on m'a dit, on m'a dit 8 et trop timide. Oui. Et j'aime les polites, la même ancienne joue taquine. La même équipe, rien n'a changé. Ouais. Donne-moi des mots, une poignée pour être un magicien. Un joli tour, ça se travaille, donc faut qu'on agisse bien. D'accord. Donc faut qu'on agisse bien. Prolixité, c'est toujours mieux quand on se réveille à deux. Tu manges bien, donc c'est cool quand tu en donnes un peu. C'est cool quand tu en donnes un peu. Une poignée de punchline 2. Yeah. Oh, oh. Une poignée de punchline 2. Je veux voir tout le monde faire ceci. Une poignée de punchline 2. Wow. Merci beaucoup le Reggae Senska. On va essayer de faire chanter.
va essayer de les faire chanter tous. Tu es chaud quoi. Yeah. Histoire de leur passer le sol. Rolex. Ah. Pour tout le monde. Ça va être si simple que ça. Ensemble. Salam. Salam. Qui veut dire paix. Salam, salam. Chante avec nous. Salam, salam. Répète après nous. Salam, salam. Allez, chante avec moi. Salam, salam. Répète après nous. Salam, salam. Allez, chante avec nous. Salam, salam. Répète après nous. Salam, salam. Pour ceux qui vivent en guerre. Salam, salam. Pour ceux qui rêvent de paix. Salam, salam. Allez, chante avec nous. Salam, salam. Répète après nous. Ça va, vous faites bien le refrain. Yeah. Allez, chante avec nous. Salam, salam. Répète après nous. Salam, salam. Allez, chante avec nous. Salam, salam. On répète après nous. Salam, salam. Yeah. Hein. Oh. On prend la route ce soir, on part très loin. Hein. Oh non, pour toi, tu sais que je t'aime bien. On a la bague, le témoin, la famille a fait le plein. Doucement, te presse pas, tout en est que le destin. L'odeur, tu fais star et chéri qui se marie. Éclate son nez, éclate son nez, on est si dans le parti. Et j'ai rêvé d'un désert, près d'un oasis. Où le sable fait complet, où le soleil est l'artiste. Yeah. Allez, chante avec nous. Répète après nous. Allez, chante avec moi. Bienvenue au Reggae Sensca. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Attendez, je vais garder un souvenir à vie, sincèrement. Voilà, s'il te plaît. Je te jure, s'il te plaît. Vu que je sais que tout le monde fait ça, là je vais rentrer à ma petite ville de pêcheurs, ma petite ville de paysans. Et je vais dire, regarde c'est quoi le reggae sensca. Regarde juste c'est quoi, je veux voir toutes les mains en l'air. Regarde c'est quoi. Et comme j'ai très mauvais esprit, je me dis, bon, peut-être qu'ils ont besoin d'assurer leur retraite, ils vont nous faire un album, etc. Et j'avoue qu'au début, je me disais, à quoi il sert cet album? Puis après, évidemment, je l'écoute. Et là, je prends une grosse claque. Et ça, c'est pas du compliment parce que je vous ai en face. Je prends une grosse claque, j'écoute le truc, et là, comme on dit en français, les yeux m'en tombent, ou les bras m'en tombent. Et il me défonce cet album. Et il y a une question que je me suis posée, cet album, il est furieusement dansant. Est-ce que vous allez souvent au nightclub? Parce qu'il y a au moins 4 ou 5 morceaux, c'est des bombes de nightclub, quoi. Oui, ils ne danseraient pas là-dessus, je vois pas. Des fois, oui, dans les clubs, tu vois, comme là, c'est après le tournée, juste pour le mois d'août, là, et puis ça reprend.
mais on va dans les clubs et puis on a envie aussi de rencontrer des gens. Je ne parle pas de mon âge, mais on aime bien danser. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y a un langage vraiment universel qui se passe. Et on n'a jamais voulu arrêter. Et chaque fois qu'on veut s'arrêter, comme il dit, tu vois le public, tu vois la foule, tu dis mais mince, je continue. Et dans cet album, outre les messages et le son est très, je le trouve très sec, il est beaucoup moins produit que pouvaient l'être les albums des années 80-90. On avait tendance à en rajouter sur les albums de world music, puis il y en avait, puis il y avait de couches, puis c'était bien. Celui-là, il est sec, il va à l'os, il n'y a que le nécessaire. Mais alors, quel nécessaire? Mais c'est pas seulement ça, mais si vous écoutez, nous au début, des enregistrements qu'on a fait au début de Touré Koumba, les sons sont aussi actuels à présent. Bien qu'il y ait la technologie et tout, les premiers sons de Touré Koumba sont encore là. Tu peux pas le comparer avec les nouveaux sons. Mais et puis ce qui est important, c'est la vie, c'est la musique. Excusez-moi, je perds un peu de filon. Le filon, c'est que, en fait, nous avons, quand nous sommes revenus après avoir abandonné, et après avoir envie de revenir, on n'a pas cherché à avoir des sons. On a cherché à faire de la musique. Ça, c'est très simple. Et le piège dans lequel nous tous nous tombons, c'est qu'on dit, allez voir Paul, c'est un bon producteur. Allez voir Georges, c'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. Mais tout ça, c'est du pipeau. La vérité, c'est que tu as envie de chanter avec ta guitare, taper dans les tam-tams. C'est ça qu'il faut faire. Et quand vous faites ça, vous faites le même disque que nous. Thank you.
attendez, ne m'engueulez pas et que vous ne savez pas ce que je vais dire. On veut chanter avec vous. Voulez-vous chanter avec nous? Alors, pour ça, on se calme. Okay. Comment on va faire? On va les laisser jouer tout doucement. Et nous et vous, on est dans une grande. Ça vous va? Just hope you're playing, get in it, go.